Bon, bah, vous n'êtes pas passé loin de faire le très très joli coup de cette journée, quoi. Qu'est-ce qu'il a manqué? Un deuxième carton peut-être plus abouti, quoi. Quand on voit ce que vous avez produit dans le troisième, on se dit qu'avec un deuxième, enfin une moyenne des deux, un jeu plus... Quand il y avait moyen de faire quelque chose contre cette équipe de Nice, quoi. Vous l'avez prouvé dans le troisième carton, quoi. Ouais, ouais, le problème c'est qu'après on s'est un petit peu, dans le quatrième quart-temps, on s'est un peu figé, on les a agressés défensivement, puis après bah, on a eu un peu peur, on est plus ressorti aussi fort, on a eu un peu peur d'aller les agresser, on s'est mis sur du contrôle alors qu'il fallait pas contrôler, il fallait continuer à les agresser parce que maintenant qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Kébi Sharp 40 minutes, Marine Joannès 37 minutes, Michel Plouf 35 minutes. Vous avez vu la défense qu'on a pu faire dans le troisième quart-temps. Alors oui, on va dire défensivement on prend 85 points, mais on prend 85 points pourquoi? Parce que les joueuses, il y a des moments où on peut pas tenir 40 minutes au niveau de jeu qu'on a fait dans le troisième quart-temps. C'est sûr qu'on a fait un troisième quart-temps de très 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 haute volée. On a été incroyable. J'avais dit aux filles qu'aujourd'hui on allait voir à quoi ressemble notre équipe vraiment. Bah voilà, on n'a pas gagné, mais on a fait voir quand même qui on était. Maintenant, ça n'empêche qu'aujourd'hui, on est à 3 victoires, 3 défaites, et que bah voilà, il va falloir qu'on aille en rechercher. Mais surtout, il faut qu'on reste dans cette dynamique-là et dans cette mentalité-là. Et puis, des victoires, on en aura encore beaucoup. Maintenant, il faut. Voilà, le championnat va être très très dur parce que toutes les équipes qu'on va accueillir, le prochain match, c'est à Arras. On sait que Arras est certes en difficulté, mais je m'attends à avoir des nouvelles joueuses d'ici samedi. C'est même sûr qu'ils vont avoir, à mon avis, des nouvelles joueuses. Donc ça sera à Arras, dans un contexte un peu spécial. Et ils n'auront pas le droit à la défaite. Donc du coup, ça va être encore un très très gros match. Mais on a fait une belle prestation, on a vu du beau basket. Maintenant, c'est dommage que l'essentiel ne soit pas là, quoi. Maintenant, Il n'y a pas de regret particulier sur ce deuxième carton où on a senti que vous perdiez un petit peu votre basket, des balles perdues, du mauvais timing. Enfin, par rapport le premier, c'était cohérent. On a senti un petit flottement dans le deuxième qui vous coûte cher au final, quoi, quand on voit le. Le souci dans le deuxième carton, c'est que en fait, on a démarré avec beaucoup d'adresse. Et derrière, dans le deuxième carton, plutôt que d'aller chercher des paniers près du cercle, comme on a été capable de faire après, on est resté à la périphérie et c'est elles qui nous ont repoussés. Et du coup, on n'a pas été agressif. Et dès qu'on n'est pas agressif, on ne peut pas trouver d'adresse. C'est là qu'on fait des pertes de balles. On leur a donné des ballons faciles, donc elles ont eu des contre-attaques faciles. À un moment donné, c'était même presque pas le. Défensivement, on était statique, mais en même temps, comme on leur donnait des ballons faciles, et bah, elles ont marqué des paniers faciles parce qu'elles ont marqué du jeu rapide. Donc c'est pour ça que on a 50 points, c'est beaucoup trop à la mi-temps, mais c'est parce qu'on leur donne trop de munitions pour nous punir. Quel a été ton discours justement à la pause, parce que l'équipe est revenue complètement transfigurée. Il y a eu un coup de gueule ou... Non, pas du tout, parce que ce qu'on faisait c'était bien. Je savais que on a changé un choix tactique sur Diawara. Et je voulais que ça soit un choc psychologique, quoi. Que ce changement tactique leur faire voir qu'on pouvait on allait gagner peut-être grâce à ça, quoi. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Elles ont vraiment douté, mais d'ailleurs elles ont vraiment coulé, hein, parce qu'on est à plus 8 à la fin du troisième. Mais le problème c'est que derrière elles reviennent vite au début de quatrième quart-temps, c'est le problème de jouer 15. C'est ça le souci, quoi. Et là j'ai pas. Et c'est ce qu'on fait dans le deuxième carton. Hein. Dans le deuxième carton, le problème c'est que c'est du très haut niveau. C'était un match de très haut niveau avec 2-5 majeurs de très très fort. Elles progressent, toutes les jeunes, les petites jeunes, elles progressent, mais y a encore une marche, quoi. Il y a encore une marche et ça nous a coûté cher aujourd'hui. Mais elles travaillent tous les jours pour ça, elles le savent, elles sont là pour progresser. Et nous aussi, on le fait, hein, c'est un choix. Hein, c'est, euh,
Donc on en est conscient. Hein, donc voilà, maintenant, on peut pas faire jouer tout le monde 40 minutes, c'est pas possible. Ouais, du positif, parce que c'est quand même avec le troisième carton, c'est référent. J'imagine que tu vas t'appuyer là-dessus pour la suite, essayer de reproduire, tenir cette intensité, parce que c'est vrai que vous avez un niveau de jeu qui était exceptionnel là, sur ce troisième carton. Parce qu'on a du talent dans l'équipe, parce qu'on a du talent, on fait les bons choix aussi, je pense. Mais le problème, c'est que oui, on peut s'y appuyer, mais on peut pas le jouer 40 minutes. Quoi. C'est ça, c'est que je reste persuadé qu'on peut pas le jouer 40 minutes. C'est ça, même quand on commence le match, le premier quart-temps, on défend bien, les cinq premières minutes, on défend bien, on est là, mais le problème, c'est que dès le début du match, il faut le second souffle, et puis voilà, en face, il a réussi, et puis on a fait des petites erreurs bêtes, ça nous coûte cher, hein, les petites erreurs bêtes du début de match, au lieu de mener de 8-10 points, on les laisse au score, et puis c'est elle qui passe devant, et donc c'est lui qui fait ses rotations, et puis il patiente en attendant de remettre son 5, et puis d'appuyer fort, Donc voilà, quoi, c'est là, c'était un peu le jeu du chat et la souris avec ça. Hein, et moi aujourd'hui, j'ai pas eu les billes nécessaires. Et c'est vrai que dans cette première mi-temps, il m'a eu à ce niveau-là. Ouais.